Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le jour se lève. À l'horizon, dans la vallée, le brouillard est plombé en surface, l'air est frais et la journée s'annonce ensoleillée. Depuis quelques jours, la baisse des températures a débarrassé le ciel de ses nuages. Du coup, c'est l'occasion de faire un tour dans le jardin, de nettoyer, d'observer et de réfléchir aux futures plantations. Au jour morose rythmé par une actualité oppressante, il est bon de s'extraire et de prendre un peu de recul. Je n'ai pas vraiment envie de faire grand-chose, nettoyer un peu le devant de la maison, tailler 2-3 tiges séchées. Je m'équipe, écharpe, bonnet, sécateur et épinette, et c'est parti. D'abord un premier tour sur la terrasse, où les hortensias ont leurs fleurs séchées et comme cristallisées pour l'éternité. Les fuchsias sont en fleurs, les cloches comme suspendues dans les airs. La nature est entrée en végétation, mais qu'à moitié. Je constate que les fougères n'ont pas totalement disparu et qu'un des rosiers arbore ses plus beaux bouquets de fleurs. Cette observation suscite une petite inquiétude d'entrevoir le printemps alors que l'hiver devrait être installé. De cette interrogation, j'avance dans le jardin et vois les bulbes dresser leur feuillage. Les végétaux relancent leur croissance. J'en profite pour nettoyer les massifs. Et là, ça y est, la poésie de ce monde est réapparue. Observer et toucher la nature, comprendre le développement des plantes, voir la générosité innée de celle-ci est un véritable délice. Les oiseaux sont également de sortie et leur chant m'accompagne dans mes découvertes. Je m'approche d'une planche où j'avais planté mon ail l'année dernière. Généralement, je collecte au fur et à mesure pour l'usage et j'en laisse toujours en terre. Et là, des bouquets de feuilles partout. Enthousiaste, je retourne délicatement la couche de terre pour désherber manuellement. Le meilleur outil reste d'ailleurs la grelinette, la véritable bien sûr. Les dernières pluies permettent d'enlever assez facilement les deux orties gênantes ou toute autre plante menaçant la croissance de ce que vous voulez planter, comme le liseron qui s'installe rapidement sur les planches nourries de paille. J'ai donc repiqué tout mon ail de l'année dernière. Était-ce le moment, me direz-vous, gelé, pas gelé? Il est actuellement assez difficile de prévoir les changements de température. Nous passons de la douceur au froid. Comment seront les mois futurs? Ces questions semblent aujourd'hui difficiles à estimer. Aussi, j'ai laissé des plants en place et en touffe que j'ai protégés d'un peu de paille, au cas où mon repiquage avorterait. Une fois terminé, j'ai continué le tour du jardin, à tailler, nettoyer, recouvrir mes buttes avec ces déchets organiques. Pour tout ce qui est bout de bois, je les mets de côté en attente de broyage pour également nourrir les buttes. Dans la nature, tout a un sens et rien n'est déchet, mais au contraire richesse. Comme le feuillage qui tombe au sol nourrit la terre qui nourrit l'arbre, tout est cyclique et sans interruption. Aussi, en nettoyant votre jardin, n'hésitez pas à réutiliser cette ressource, ou si vous n'en voulez vraiment pas, à la proposer à des voisins ou autres qui en feront bon usage. Je me suis également aperçu que les pluies régulières et le temps avaient dégradé ma paille, et que de la renouveler avant les plantations ne ferait pas de mal. L'année dernière, la chaleur s'est installée nette, arrêtant les pluies. Le sol doit donc être protégé de la chaleur et de la lumière qui est une menace au développement des micro-organismes et à la fraîcheur nécessaire au réseau racinaire des plantes. Toute terre doit être recouverte pour être protégée et nourrie. J'ai pu voir de nombreux vers de terre qui, ces temps-ci, résident beaucoup en surface vu que les terres sont gorgées d'eau. D'ailleurs, vous pouvez remarquer ce comportement chez le ver de terre. Lorsqu'il pleut beaucoup, soulevez vos pots de fleurs de terrasse et vous observerez tous les vers de terre en réunion sortis pour prendre un bol d'air. J'ai noté quelques arbustes et plantes qui pourraient être bouturées à cette période, comme quelques rosiers paysagers qui se sont élancés avec les fortes pluies et la douceur. Du coup, je remets à demain ou bien j'enchaîne? J'ai décidé d'enchaîner. En taillant quelques massifs, j'ai récupéré les coupes de buis japonais, l'ilex, qui n'attire pas la pyrale du buis, la fameuse chenille vorace, les rosiers et quelques autres variétés, comme de la verveine citronnelle,
ou bien encore quelques euphorbes. Coupé en biais à la base d'un nœud, conservez 4 à 5 cm de tige avec feuillage et coupez. Débarrassez la base en biais du feuillage, ne conservez au final que les feuilles du haut que vous couperez en deux. Ce procédé permet de diminuer la consommation en énergie due au feuillage et celles restantes servent de tire-sève, appelant la base à se régénérer et à créer de nouvelles racines. Le gène n'étant pas encore arrivé ou irrégulier, placez vos boutures mi-ombre et à l'abri du vent. Surveillez l'arrosage qui doit être abondant et régulé si le gel arrive. N'hésitez pas à protéger. La magie des plantes est de pouvoir se reconstituer. Imaginez que vous coupez un doigt et que celui-ci repousse au fil des saisons. N'est-ce pas magique? Je suis donc sorti, il était 13h et je suis rentré, il était 19h. D'une simple envie de prendre l'air et de bricoler, j'ai passé ma journée à m'extraire du monde social pour m'incorporer au cycle du vivant en connexion directe avec la nature. Les mains dans la terre, genoux au sol, l'air frais entrant dans mes poumons, le chant des oiseaux et le soleil rayonnant, voilà ce qui m'avait manqué depuis des semaines. Le jardin est un espace de toutes les rêveries. Dès le paléolithique, le jardin était cultivé par les chasseurs-cueilleurs, pour des raisons rituelles, magiques ou esthétiques, et pas nécessairement dans un but économique et productif. Ainsi, le jardinage n'est pas un dérivé de l'agriculture, mais ce serait plutôt l'inverse. L'aspiration de l'homme pour le jardin se retrouve à travers toutes les civilisations et toutes les époques. Par son caractère de gratuité et sa richesse symbolique, il est l'expression profonde de l'âme humaine. Il semble que le jardin soit né plus de 5000 ans avant notre époque en Mésopotamie, où le climat était moins chaud à l'époque que l'actuel Irak. La maîtrise de la technique a permis la culture de palmiers, puis la production de plantes destinées à la nourriture des humains, puis au luxe et au plaisir avec les cultures de fleurs et d'arbustes. Mais l'idéal paradisiaque se retrouve dans les jardins de Babylone, ces fameux jardins suspendus, considérés comme une des 7 merveilles du monde. En Égypte, le Nil est la route à suivre pour observer l'implantation des jardins, cette fois-ci dédiée à la culture de fruits. Il y fait bon vivre. Passant des jardins arabes à celui des abbayes du Xe siècle et des premiers jardins occidentaux, où le progrès en matière d'horticulture a été fulgurant, ou bien au jardin de la Renaissance, où la géométrie maîtrise le végétal, le jardin japonais et sa zénitude, nous sommes aujourd'hui dans une démocratisation du jardin où nous pouvons nous approprier techniques et plantes du monde entier. Cette longue histoire d'amour entre l'homme et la nature auprès de lui ne doit pas s'achever et au contraire doit être redynamisée et sortir de la mode des jardins aseptisés, où la tonte de l'herbe ne dépasse pas d'un brin, où tout est organisé, propre et rangé. Ce jardin immobile, censé représenter un paysage plaisant et éternel, n'est qu'un leurre. L'homme a apprécié le jardin pour son abondance et exubérance, qui le nourrit et l'abrite depuis la nuit des temps. La nature est vivante et profite à chacun, du plus petit insecte à l'oiseau, au hérisson, au chevreuil, au loup, la nature est soigneusement préparée pour chaque être vivant. Travaillez avec la nature luxuriante et source de joie et de récompense. Chaque enfant devrait aujourd'hui avoir cette connaissance et culture de la nature. Les temps difficiles actuels préfigurent la nécessité pour l'humanité de s'adapter, et pour cela, renouer avec l'essentiel est juste impératif. De la semence à la plante, de la plante aux fruits, à la multiplication, à l'architecture paysagère efficace et résiliente, aux plantes comestibles, toutes ces connaissances, effacées par nos modes de consommation, doivent être réhabilitées car simplement essentielles à la vie humaine et source de liens et de plaisir. Vivement mon prochain jour off pour m'immerger de nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois? Green, absolument. Green.